بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. Donc aujourd'hui, inshallah, on va aborder le sujet le Coran et nous. Et donc c'est un sujet qui est important parce que dans la vie des croyants, le Coran a nécessairement une très très grande importance. D'abord, ce qu'il faut observer, c'est que le Coran, il est à l'origine d'une grande civilisation. On considère qu'il y a civilisation à partir du moment où il y a un lien qui se fait entre le ciel et la terre, c'est-à-dire entre la sagesse et les savoirs. L'homme est capable de savoir en ce monde, mais il a besoin d'une sagesse qui lui est supérieure pour l'orienter dans le meilleur des sens. Et cette révélation, justement, permet à l'être humain de se développer, d'évoluer selon une orientation qui est divine. Et le grand principe, l'un des grands principes de l'islam, c'est que l'homme ne peut pas se suffire à lui-même. Les hommes ne peuvent pas s'organiser, vivre en tant qu'individu, en tant que famille, en tant que société, même en tant que gouvernement, s'ils ne sont pas orientés par une sagesse qui est supérieure et qui vient de la révélation. Et cela, on l'observe dès le début de la révélation, lorsque on voit que le Coran commence par des mots que vous connaissez, et il nous dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur est le plus noble qui a enseigné par le qalam, par la plume, qui a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Les premiers versets de la révélation que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu alors qu'il était en retraite pieuse. Il voit l'ange Gabriel et l'ange le couvre à trois reprises et il est très très pris par cette étreinte et il lui ordonne « lis » et chaque fois le prophète répond « sallallahu alayhi wa sallam ma ana biqari'in » « je ne sais pas lire ». Donc ce récit-là, il est important, mais il nous montre que nous avons dès le début dans la révélation quelque chose qui est fondamental. D'abord, il existe deux ouvrages dans l'univers, enfin deux ouvrages qu'on peut prendre en considération. Le livre de l'univers et puis le livre de la révélation. Et il y a nécessairement une correspondance entre ces deux livres puisqu'ils viennent à l'origine du Créateur qui est unique. Et quand on observe les termes qui sont utilisés dans le Coran, on voit que ces termes sont d'une précision qui est extraordinaire puisque si on prend dans le passage que je viens de citer, l'alaq, l'adhérence qui a créé l'homme à partir d'une adhérence, ce mot alaq, on voit qu'il signifie en langue arabe ce qui adhère, d'où une adhérence, mais aussi le grumeau de sang. On observe qu'effectivement, l'embryon à ses premiers stades est en fait une sangsue remplie de sang. Il a la forme de la sangsue, or le mot sangsue en arabe, eh bien, est repris, le mot « alaq » nous renvoie à la sangsue également. Or, c'est ce qui se passe dans la paroi utérine, là où se développe l'embryon. Eh bien, on observe une chose qui est importante, c'est qu'on ne pouvait pas avoir une idée aussi précise que celle qui est exprimée par l'expression coranique au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, simplement parce qu'on n'avait pas accès à cela. Donc ça, c'est un premier point qui est important. L'autre point qui est important, c'est que si l'on réfléchit, eh bien, on a là, dans l'islam, une civilisation qui nous dit il faut le ciel et il faut la terre, il faut la révélation, il faut la science. Il n'y a pas d'opposition entre le religieux et ce qui relève de la science, entre le savoir qui vient du ciel et le savoir terrestre que l'homme peut développer à travers ses connaissances, ses expériences au niveau technique, au niveau scientifique. Il n'y a pas de contradiction, parce que l'origine est unique. Et ça, c'est important, puisque nous vivons aujourd'hui dans un univers, en Occident, où on a considéré que la religion et la science doivent s'opposer, et où il y a un espace qu'on appelle aujourd'hui la laïcité,
Et cette laïcité, elle pense être supérieure parce qu'elle a permis aux êtres humains de vivre en écartant le religieux qui est perçu comme un facteur d'obscurantisme, de fanatisme, de terrorisme, d'ignorance, de beaucoup de choses aujourd'hui, comme vous le savez, sans connaître en réalité que c'est exactement le contraire qu'il faut comprendre. L'homme, s'il se détache du ciel, eh bien, il devient un barbare, un loup pour l'homme, parce qu'il va finalement aller dans le sens d'une domination de l'autre, d'une exploitation de l'autre. Eh bien, quand il disposera des meilleures techniques, cela lui permettra d'aller plus loin encore dans la barbarie, de concevoir des bombes atomiques, de concevoir un armement qui tue, qui agresse et qui massacre. Donc cela n'est pas la solution. La solution, c'est de comprendre qu'au contraire, il faut revenir à la parole de Dieu, aux orientations divines, à la révélation, pour faire le meilleur usage des instruments que la science met à notre disposition. Et donc, vous voyez, là, il faut observer que l'islam apporte un éclairage qui est complètement différent. On ne peut pas réduire l'islam à la laïcité. On ne peut pas faire entrer l'islam dans le moule de la laïcité. L'islam, c'est une civilisation qui se situe bien au-delà de cela et qui permet le mariage de la temporalité, de la spiritualité, de la science, de la religion, de l'approfondissement spirituel, sans oublier le fait que l'être humain se doit de vivre dans ce monde, de bâtir dans ce monde et de profiter des biens que Dieu lui a offerts. Donc ça, c'est un premier point. Iqra, à travers ces quelques paroles, on a fait cette réflexion. Un autre point que l'on peut également observer, c'est que dans le Coran, on développe une parole qui est extrêmement riche. Et cette parole qui est extrêmement riche, elle nous convie, elle nous invite à une réflexion, à une méditation sur ce que nous dit la révélation. Et vous avez un très très beau passage dans Sourat Al-A'raf où Allah nous rappelle qu'il a envoyé les vents et la pluie. Et pour les Arabes, cette pluie, c'était un symbole extraordinaire puisqu'elle représentait la vie. Ils étaient sensibles au phénomène de la pluie parce que quand la pluie venait, eh bien, il y avait végétation, il y avait vie aussi pour les bestiaux, par conséquent, vie pour les humains. Donc c'était un phénomène qui exprimait le mieux l'idée de cette miséricorde. Et donc vous avez dans le Coran ce fait qui est évoqué, « Wa huwa alladhi yursilu riyaha bushram bayna yaday rahmati » Ça veut dire, et c'est lui, c'est Dieu, qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Ensuite, le Coran évoque que ces vents transportent une nuée qui est lourde. Nous la dirigeons vers un pays qui est mort, puis nous en faisons descendre l'eau, puis nous en faisons sortir toute espèce de fruits. Donc ça, c'est un premier tableau. Puis ensuite, le Coran ajoute, ainsi ferons-nous sortir les morts. Donc, première réflexion, on a d'abord simplement l'observation d'un phénomène naturel qui révèle, qui exprime très fortement la miséricorde et la bonté de Dieu. C'est lui qui fait descendre cette pluie. Et ça, c'est une vision qui est naturelle des choses. Deuxième tableau, on va se déplacer du monde qui est visible à un monde qui est caché, et c'est ce qu'on appelle el-ibra. El-ibra, c'est en fait la réflexion, la leçon que l'on tire en comparant les choses, en faisant un effort de réflexion. El-rebours, c'est traverser. C'est le fait de traverser. Et donc, l'ibra, c'est la réflexion qu'on tire en comparant des éléments les uns aux autres. Et cela peut aller très très loin dans la compréhension des signes de cet univers. Et donc, vous avez le fait que cette végétation vient sur une terre qui était morte. Et bien, ainsi, Dieu est capable de vous ressusciter. Or, la résurrection, c'est un tableau qui n'appartient pas à ce monde physique, qui appartient à Alam El-Ghaib, l'univers de ce qui est caché. Donc là, on va dans plus de profondeur. Et c'est ça la spiritualité. La spiritualité, c'est aller vers la profondeur des choses, ne pas se contenter de la surface matérielle de la vie, mais de se poser la question du sens de la vie. Quel est le sens de tout cela? Qu'est-ce qu'il y a derrière les choses de la vie, telles que nous pouvons les percevoir à un premier degré? Il y a un sens derrière qui nous est donné. Et puis, vous avez le passage qu'il vous dit,
qui vous dit والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. Le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement. Donc ce sont des signes que Dieu nous donne. Et là, il y a un troisième tableau que l'on doit comprendre comme étant le fait que l'eau est le symbole de la révélation. Et cette révélation va tombe du ciel. Allah l'a décrit ainsi, il dit Tanzil. Tanzil, ça veut dire descente. Et ce mot signifie que la révélation descend de Dieu à nous, par l'entremise de l'ange Gabriel, comme l'eau qui tombe du ciel. Cette eau, elle va tomber sur un terrain qui est fertile ou bien sur d'autres terrains qui vont poser des problèmes. Et c'est cela le sens du symbole de cette parole qui vous dit « Le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur. Quant au mauvais pays, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement. » En fait, on peut rapprocher cela du hadith que certains d'entre vous connaissent, qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une explication. Il nous dit « La voie et la science que Dieu m'a envoyé enseigner aux hommes sont comparables à une pluie se déversant sur la terre. La partie fertile absorbe l'eau qui fait pousser de l'herbe et des plantes en quantité. » La partie aride retient l'eau et Dieu en accorde le bénéfice aux hommes. Ils en boivent ou s'en servent pour l'irrigation et pour les cultures. La pluie tombe enfin sur une partie stérile qui ne retient pas l'eau et ne fait pousser aucune plante. Voilà le début du hadith. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va nous donner le sens de la parabole. La partie fertile est comparable à celui qui a approfondi la tradition de Dieu le Très-Haut et qui, ayant tiré profit de ce que Dieu m'a chargé de révéler, l'a appris pour lui-même et l'a enseigné à autrui. La terre aride qui retient l'eau est comparable à celui qui enseigne ce que Dieu m'a chargé de transmettre sans en tirer lui-même profit. C'est donc ce bassin qui retient l'eau. Les gens viennent et puisent de cette eau, mais le bassin ne donne aucune végétation. Alors, à l'exemple de ces savants, des gens qui ont un savoir coranique au niveau des hadiths, de l'enseignement prophétique, qui l'ont retenu, on peut l'entendre d'eux, mais eux-mêmes ne le mettent pas en pratique. C'est cela le sens. Enfin, la terre stérile qui ne retient pas l'eau est comparable à celui qui refuse la guidance que Dieu m'a chargé de communiquer aux hommes. Donc il y a une partie qui reste inculte, aride, et qui ne reçoit pas du tout la révélation. C'est l'image du kafir, de l'incroyant, du négateur, qui ne veut absolument rien entendre quand on lui parle du Coran. Il est incapable, il ne veut pas entendre la parole coranique. Donc vous avez, en résumé, trois catégories d'hommes par rapport au Coran. Ceux, les meilleurs, qui reçoivent cette parole, qui la comprennent, qui l'étudient, qui la transmettent. Ils en profitent et ils sont les porteurs de ce message. Deuxième catégorie, ceux qui retiennent quelque chose de cette connaissance, qui n'en profitent pas eux-mêmes parce qu'ils se trompent eux-mêmes, mais d'autres vont profiter de ce qu'ils vont transmettre. Et troisièmement, des personnes qui n'en reçoivent rien. Donc si maintenant on réfléchit à ce symbolisme coranique, on peut comparer en fait la foi qui est en nous, la lumière qui est en nous à l'origine, à une graine qui est en fait la fitra. On a une lumière naturelle en nous qui demande à se développer, à connaître la vérité. Et cette graine, elle reçoit l'eau du ciel, et l'eau du ciel permet à la graine de germer, de fleurir, de progresser, d'évoluer, de se développer. Or, on ne peut pas imaginer une graine qui va se développer sans eau. Par conséquent, la grande question qui est la nôtre, c'est de nous dire, on appartient, nous, à laquelle de ces trois catégories? Pas de germination sans révélation au niveau de la spiritualité, de la foi, de la connaissance profonde dont on parle ici. Donc il s'agit de se poser la question, est-ce qu'on reçoit cette eau? Est-ce qu'on vit avec le Coran? Est-ce que nous sommes disposés à recevoir cette lumière du Coran? C'est un point qui est important. D'ailleurs, ce Coran, il est à l'origine d'une civilisation qui a été brillante, puisque ces Arabes qui ne connaissaient rien, le Coran les invitait à observer l'univers. Puisque le livre révélé
parlait de l'araignée, de la fourmi, de l'abeille, des éléments naturels, d'histoire, de phénomènes de création, l'homme était ainsi poussé à observer l'univers. Et c'est de là que sont nées les sciences dans le monde musulman. J'aimerais simplement, là je pourrais vous parler une heure sur les apports des musulmans à la culture, à la science, parce que c'est quelque chose qui est prodigieux, mais je vais juste évoquer un passage ici qui vous montre ce qu'il en était de la civilisation islamique à l'époque des Omeyyades. Il est bon de rappeler également qu'à l'époque de l'Omeyyade Abdelrahman III, Cordoue, la capitale de l'Andalousie, était illuminée la nuit et les passants étaient éclairés par ses flambeaux sur une distance de plusieurs kilomètres. Cordoue était habitée par 1 million d'âmes, alors que la plus grande ville en Europe à cette époque ne regroupait pas plus de 25 000 habitants. Donc plus d'1 million d'âmes à Cordoue, et la plus grande ville en Europe n'avait pas plus de 25 000 habitants. Elle comprenait 283 000 maisons, 600 mosquées et 50 hôpitaux. Il s'y trouvait 170 femmes sachant écrire le Coran en caractère koufique. Donc là, on voit en fait ce que représentait ce savoir, ce que représentaient ces sciences, une chose qui est vraiment fondamentale pour nous. Et d'ailleurs, c'est bien cette connaissance qui est l'héritage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a un autre récit qui nous montre qu'un jour Abu Huraira s'était rendu au marché, avait vu que les hommes étaient affairés à des choses mondaines, au commerce, à la vente. Et alors il s'était écrié au milieu justement de ce marché, « Vous êtes ici alors que l'on est en train de partager l'héritage du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dans la mosquée. » On est en train de partager maintenant l'héritage du messager de Dieu dans la mosquée. Et les hommes, bien entendu, se sont précipités vers la mosquée. Ils ont pensé à cet héritage. Et ils ont vu des gens qui priaient, qui lisaient le Coran, qui se rappelaient le halal, le haram, le licite, l'illicite, qui étaient dans le savoir, des cercles divers. Et ils sont revenus pour lui dire, mais on n'a trouvé que cela dans la mosquée. Et Abu Huraira de souligner que c'est cela précisément l'héritage du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Observez comment il a compris la psychologie des gens, comment il les a orientés vers ce qu'ils aiment. Qu'est-ce qu'ils aiment? Dunya, l'argent, les biens. Et lui leur dit un héritage pour les pousser à réfléchir. Et là, on passe d'une compréhension de la vie qui est matérielle à une compréhension de la vie qui est spirituelle et qui est la plus importante précisément. Donc on a également un autre point qui est important dans le Coran, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » et tenez-vous tous au lien de Dieu et ne vous dispersez pas. Al-habl, c'est la corde, le câble, le lien ici. Et en fait, on peut le comprendre comme étant l'islam. C'est l'islam qui vous lie à votre créateur. Et on peut le comprendre aussi comme étant le Coran, parce que des hadiths vont dans ce sens. Et en fait, pour réaliser l'union des musulmans, cette union dont on a vraiment aujourd'hui extrêmement besoin, il n'y a pas 36 chemins. Il ne s'agit pas de faire des colloques, des rencontres, et même d'être unis dans une structure, quelle qu'elle soit, et dire nous sommes unis. Ce n'est pas cela l'union en islam. Il faut des structures, mais l'union, elle ne se fait qu'autour du Coran, lorsque les musulmans se réunissent autour du Coran, et vivent avec le Coran, et font que le Coran est au centre de leur vie. Et cela signifie qu'il y a une modalité pour réaliser cette union. Par exemple, vous avez le hadith que rapporte, qui est dans le Sahih, dans lequel il est dit que le messager de Dieu dit, sallallahu alayhi wa sallam, et Dieu vient en aide aux musulmans, dans la mesure où il vient en aide à son frère musulman, ma'ma'an al-kalam. Et celui qui cherche à se rapprocher, à suivre, qui suit une voie de connaissance, eh bien Dieu lui facilite ainsi une voie qui conduit au paradis. Puis ensuite il ajoute, sallallahu alayhi wa sallam, et un peuple ne se réunisse pas dans une maison d'entre les maisons de Dieu, c'est-à-dire dans mosquée, récitant le Coran, l'étudiant entre eux sans que ne descende sur eux
la paix divine, la sakina, sans que la miséricorde ne les couvre, sans que les anges ne les entourent, et sans que Dieu ne les mentionne à ceux qui sont auprès de lui, subhanahu wa ta'ala. Et donc réfléchissez à la structure de ce hadith. D'abord, il est question de la fraternité, avec l'obligation de nouer des liens de fraternité. Mais pourquoi est-ce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous parle ensuite d'un autre tableau, de gens qui sont dans une mosquée et qui étudient entre le Coran? Précisément parce que Dieu nous dit « Wa antasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu » « Et tenez-vous tous au lien de Dieu et ne vous divisez pas, ne vous dispersez pas. C'est ainsi que vous allez être des frères dans la foi et c'est ainsi que vous allez réaliser cette union, vous entraider et être fort. » Et c'est bien pourquoi il faut se rappeler une chose qui est importante. Cette chose qui est importante, c'est que, eh bien, du temps du messager de Dieu, même avant qu'il arrive, sallallahu alayhi wa sallam, à Médine, il avait déjà envoyé des émissaires, des gens pour porter la parole coranique, comme Mus'ab ibn Umayr, radiallahu anhu, ce compagnon exceptionnel, et d'autres qui ont porté le message, qui ont enseigné déjà le Coran, des sourates du Coran qu'ils connaissaient, avant même que le messager de Dieu n'arrive à Médine. Ensuite, quand il est arrivé à Médine, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il a transmis cette parole. Et les Médinois avaient un caractère tout à fait particulier. Ils étaient très, très attachés au Coran. On dit que quand on se déplaçait dans la ville de Médine, en dehors des moments de travail, quand les gens se retrouvaient entre eux, eh bien, on entendait la voix des gens qui récitaient le Coran dans les maisons, dans les espaces, dans les mosquées, partout. Partout, les gens étaient autour du Coran. Et c'est de Médine que l'islam, justement, a grandi, a porté ce message qui s'est répandu ensuite partout ailleurs. Par conséquent, on devrait, nous, penser que lorsqu'il y a dans les mosquées des cercles, on étudie le Coran, on se retrouve en cercle, eh bien, il faut être attentif à cela. Il faut également être attaché, réfléchir pour qu'il y ait des cercles un peu partout, de telle façon que les hommes, les femmes, les jeunes, les enfants se retrouvent et soient autour, à la table du Coran qui est un festin au niveau spirituel. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que nous avons des devoirs vis-à-vis du Coran. Un des devoirs, c'est d'apprendre à le lire correctement, ce qu'on appelle les tajwid. Et tajwid, c'est-à-dire, il y a une façon de lire le Coran, la prononciation, les règles de lecture du Coran. S'il se trouve une possibilité autour d'individus qui ont cette connaissance et je néglige la chose, cela signifie que, quelque part, eh bien, je suis, en fait, loin de ce lien qui devrait être le mien avec le livre de Dieu. Donc, ce souci d'apprendre le tajwid. Et donc également le fait d'être attaché à une lecture qui est quotidienne. Le Coran, c'est un aliment qui est spirituel. Il faut le lire. Chaque jour, je dois lire une partie du Coran. C'est-à-dire, je peux lire un juz et je peux le conclure ainsi chaque fois en un mois. Je peux lire la moitié en deux mois. Je peux lire quelques pages. Je peux lire une page. Selon mes capacités, selon le temps de travail, les difficultés de la vie, mais je ne peux pas laisser passer un jour et des jours sans lire le Coran. Ça, c'est complètement insensé de se couper ainsi du lien qu'on doit avoir avec Dieu. L'autre élément, c'est qu'on doit également réfléchir, méditer, penser le Coran. C'est-à-dire que ce Coran, il a été révélé pour réveiller nos cœurs, pour que le cœur soit en éveil, reçoive ce qu'il contient d'orientation et de sagesse. Combien de fois est-ce que nous lisons le Coran alors que le cœur, il est mort, le cœur, il n'est pas vivant, le cœur, il ne comprend pas? Et donc, il faut aller dans un sens qui me permette progressivement d'apprendre le sens de ces versets, de méditer le sens de ces versets. Vous voyez comme on a fait tout à l'heure, là, à l'instant, on a lu quelques versets. Quelqu'un pourrait passer sur ça, ah, il est question de pluie qui tombe, il s'arrête à cela, et puis il passe, il n'a pas vu, il n'a pas compris, il n'a pas vraiment saisi la profondeur du texte coranique. Donc il s'agit pour nous de méditer le Coran, de réfléchir. Donc lorsqu'il y a
une fois par semaine, des rencontres, on se penche sur quelques versets, on essaie d'en tirer des enseignements, il faut participer, il faut être là, il faut se nourrir de cette révélation, il faut faire en sorte d'avoir ce lien spirituel avec le Coran. Inna hadha al-Qur'an nazala bihuzn, fa idha qara'tumuhu fabku, fa illam tabku fatabakaw. Ce Coran a été descendu avec tristesse. Lorsque vous le lisez, soyez triste. Vous le lire en étant triste. Et si vous pleurez, et si vous ne pleurez pas, efforcez-vous de pleurer. Donc ce Coran est descendu avec tristesse. Lorsque vous le lisez, pleurez. Et si vous ne pleurez pas, efforcez-vous de pleurer. Cela signifie qu'il faut s'efforcer de pleurer en comprenant ce que Dieu nous dit. Et si le cœur est en éveil, bien cette parole coranique, elle est très forte, elle réveille le cœur. Et l'homme ressent une forme de tristesse. Et cette tristesse, ce n'est pas le désespoir, c'est au contraire le vrai bonheur. C'est-à-dire l'aspiration à Dieu, l'aspiration au paradis, la crainte de l'enfer, la vision des péchés, de la lourdeur de mes péchés et du pardon divin. Tout cela réveille le cœur. Et il faut lire le Coran de cette façon, évidemment. Et puis, enfin, et pour conclure, eh bien, il faut veiller à appliquer les principes du Coran. Quand le Coran me dit « wa aqimu s-salat wa atu zakat » et accomplissez la prière et donnez la zakat, eh bien, tout musulman, toute musulmane se doit de se poser la question « est-ce que j'accomplis vraiment la prière ?» Et déjà, dans l'enseignement de l'accomplissement de la prière, il y a tellement de choses à apprendre concernant la purification, concernant les règles fondamentales d'application qui constituent l'essence de la prière, sans lesquelles la prière n'est pas valable. Toutes ces choses, il faut les connaître. Tout cela est dans « wa aqimu s-salah, atu zakat ». Est-ce que j'ai donné ma zakat ? Est-ce que vraiment le bien que j'ai de côté, j'ai fait ce qu'il fallait ? Et est-ce que j'ai transmis cela aussi à mes proches, à tous ceux qui, dans mon entourage, ne l'applique pas. L'application du Coran va permettre à cette communauté de se réformer réellement. Très souvent, on cherche des solutions ailleurs que dans le Coran. On réfléchit, on se dit qu'il faudrait faire telle et telle chose. La solution, c'est de revenir au Coran. Il n'y a pas d'autre voie pour nous unir et pour vivre l'islam de façon authentique. Donc c'est cela l'objet de ce propos aujourd'hui. C'était de vous dire, voyez ces pistes, voyez le chemin qu'il nous faut suivre, vous invitez à apprendre, à étudier, à revenir au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jazakumullahu khayran. Donc j'ai pour ma part terminé, et s'il y a maintenant des remarques, des questions, elles sont les bienvenues.